C'est la rentrée pour Mathieu Kassovitz. Après 2 mois et demi de coupure pour cause de vacances et de tournage, l'acteur, réalisateur, producteur reprend ses cours de boxe. 2 heures d'entraînement dans son garage aménagé en salle de sport. C'est Cyril Huillard, son coach particulier, qui lui donne la leçon. Pour Mathieu Kassovitz, la reprise est difficile. Encore. À court d'entraînement, encore. Vas-y, Mathieu, à bout de souffle, tout de suite, encore, hop, fort. Il est rapidement encore, à l'agonie. Allez, c'est la fin, c'est la fin. C'est justement ce qu'il recherche, lui dont la vocation a été tardive. J'ai fait du karaté quand j'étais petit. En fait, je n'étais pas un sportif, donc j'ai arrêté. Puis j'ai commencé le sport, à 35 ans. Et le sport de combat, j'ai commencé il y a 3 ans. En 3 ans, Mathieu Kassovitz est devenu accro à la boxe. À Paris ou Los Angeles, où il réside une partie de l'année, il aménage son emploi du temps pour pratiquer la boxe version thaï, avec coups de poing, coups de pied, coups de coude et coups de genou. À 46 ans, c'est le meilleur moyen qu'il a trouvé pour sortir de sa zone de confort. Non, c'est bon. Hey, t'es en train de baisser là, un peu plus fort. Mathieu Kassovitz, voilà, Mathieu, trouve son épanouissement accélère, dans la souffrance. C'est la fin, énerve-toi, lâche pas, ne lâche pas, il te reste 5 secondes. 3, 2, 1, ok. Ça, c'est... Un coup de genou, un coup de coude, n'importe quoi, ça fait tellement mal, ça fait mal. Donc il faut vraiment que le mental soit là. Et je crois que c'est ça le vrai challenge. Ça t'apprend à tenir bon, ça t'apprend à croire en toi surtout. À te dire que tu peux aller plus loin, il y a tout le temps un moment où tu veux arrêter. Et c'est là qu'il faut passer plus, c'est là qu'il faut se forcer, se faire mal. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de capacités qu'on ne pense. Et ça vous permet aussi de pouvoir affronter les problèmes de la vie quotidienne d'une manière beaucoup plus... sereine.